Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment répondre à une auditrice qui m'a écrit très sincèrement et qui m'a demandé de l'aide. Et d'ailleurs, si tu veux toi aussi me poser des questions à laquelle tu souhaites que je réponde sur cette chaîne, n'hésite pas à m'écrire à l'adresse suivante sandrine@kyrietcoaching.com. Alors, qu'est-ce que me dit cette personne qui est hypersensible? Sandrine, je ressens des montagnes russes émotionnelles et des émotions très variées et très intenses, des joies comme des peines, parfois dans la même journée et parfois dans la même heure. Est-ce que tu peux m'aider à faire quelque chose avec ça? Je retrouve d'ailleurs cette forme de cyclothymie presque systématiquement chez les personnes à haut potentiel, avec des moments on, où la personne est complètement excitée à la conquête du monde, et puis des moments off où c'est la panne sèche de la Ferrari, plus personne, parce que tout d'un coup il y a une espèce de manque de sens, un manque de quelque chose par rapport à une absurdité. C'est comme si la personne était submergée par le flux et le reflux de ses désirs, et parfois ça peut rendre aussi la routine qu'on voit en face chez les autres presque insupportable. Pour en revenir à mon auditrice, elle me donne des exemples précis que je vais partager avec toi et on va les décrypter ensemble et tu me diras d'ailleurs si ce format décryptage en commentaire te plaît. En fait, elle nous décrit très bien ces vagues émotionnelles ou ascenseurs émotionnels où elle oscille entre haut et bas et ça vient sans prévenir, mais aussi elle nous parle des conséquences sur la variabilité de son humeur. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute, on dit aussi hypnocoach, et ma mission c'est d'aider les femmes hypersensibles à apprivoiser la variabilité de leurs émotions avec des outils de régulation émotionnelle. Et je le répète, l'hypersensibilité n'est pas une maladie. On a tendance à confondre l'hypersensibilité avec des troubles tels que la bipolarité ou des troubles borderline, et souvent, eh bien, on peut avoir des mauvais diagnostics. En fait, l'hypersensibilité, ce n'est pas à soigner, ce n'est pas à normaliser, ce n'est pas non plus à gérer, et l'idée, ce n'est pas de s'en débarrasser. Au contraire, l'idée, c'est de bien connaître tous les paramètres de son hypersensibilité pour les apprivoiser et mieux vivre en société. Si tu es intéressé pour commencer sur le chemin de ton hypersensibilité, je te recommande d'abord de faire le test qui se situe dans un lien sous la vidéo que tu peux télécharger pour savoir si tu es hypersensible. Et si tu te sens prête à travailler sur ton hypersensibilité, alors rejoins-moi pour une thérapie brève d'un minimum de 3 séances. Et là, tu peux remplir le questionnaire qui s'appelle Besoin d'aide sous la vidéo et on va pouvoir parler ensemble d'abord de ta problématique. Alors, concernant mon auditrice, on va voir les 5 exemples qu'elle nous donne, on va les analyser et ensuite je te donnerai un petit résumé de tout ce qu'on a vu ensemble avec des solutions adaptées. Alors, premier exemple, quand je me félicite d'une tâche compliquée que j'ai faite, dans mon cas, par exemple, c'est la comptabilité, mon moral plus 100. Le problème, c'est que j'en veux encore et je veux en faire encore plus, je n'arrive pas à m'arrêter. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit évidemment des émotions d'emballement, d'exaltation, de joie intense, presque d'euphorie d'avoir réussi ce qu'elle a pu faire, de se sentir capable. Et on voit aussi comment les hormones positives entretiennent le circuit de la récompense. Et deuxième exemple qu'elle nous donne, si j'assiste à une réunion un peu houleuse, j'absorbe l'agressivité des gens et je tente de temporiser par les paroles ou les attitudes. Mais après, je ressors vidé, résultat moral moins 100, j'ai fait l'éponge. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette personne a une énorme réceptivité émotionnelle et qu'elle vit les émotions des autres aussi fortement que les siennes. On voit aussi en fait que en fait, elle est très très vite submergée par les émotions des autres et qu'elle a du mal à se protéger de l'extérieur et qu'elle atteint par conséquent très rapidement une saturation émotionnelle où ses batteries sont vidées et elle est désemparée par la situation. Troisième exemple, parfois en fin de journée quand je regarde ce que j'ai fait, j'ai l'impression d'avoir abattu un arbre, alors qu'en faisant la liste, j'ai abattu une forêt. Humeur, moins 100. Humeur après vérification, moins 25. Parce que culpabilisation de m'être
autant mis la pression. Problème, je veux trop en faire, ça ne va pas. Alors là, qu'est-ce qu'on ressent? Eh bien, c'est l'implication énorme de la personne hypersensible, avec voilà, de manière sous-jacente, un perfectionnisme qui est lié à la crainte d'être rejeté ou de décevoir les autres. Et qu'est-ce qu'on voit aussi tout de suite après? Une espèce de honte de s'être laissé prendre en fait au piège d'un schéma de surengagement qui se répète encore et qui crée énormément de fatigue. Quatrième exemple qu'elle nous donne, si je reçois une mauvaise réaction qui pourrit la journée. Exemple, je suis fière d'une publication sur Facebook où j'ai mis tout mon cœur et plein d'émotions. Et je vois une réaction qui me montre que quelqu'un ne l'a pas du tout appréciée. Morale, moins 100. Problème, syndrome de l'imposteur, bonjour. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la joie intense de la personne du travail bien fait qui est directement suivie d'un grand découragement lié au regard de la personne extérieure. En fait, son état interne dépend du regard de l'autre. Cinquième exemple. Je vais aussi ressasser une affirmation où je n'ai rien dit pour ne pas ajouter de l'huile sur le feu, où ce n'était pas le bon moment de réagir, mauvais public, etc. Et dans ma tête, ça tourne en boucle. Morale, moins 50. Problème, je pense que j'ai manqué d'à propos ou de répondant et ça me crée des frustrations. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que la personne est en train de vivre ce qu'on appelle l'effet cocotte-minute. Parce que en fait, elle ne veut pas vivre le débordement pour lequel elle ne se sent pas capable de faire face. La personne va refouler ses émotions et se réfugier dans une espèce d'abstraction mentale qui va l'éloigner encore plus des autres. Et qu'est-ce qui se passe quand on réprime ses émotions? Eh bien, avec la pression interne, au bout d'un moment, ça finit par exploser. Et là, du coup, c'est grosse frustration avec la double peine de la culpabilité qui se rajoute par-dessus tout ça, de n'avoir pas fait ce qu'il fallait au bon moment, et tout cet auto-jugement qui va avec. Et en tant que femme HP hypersensible, je peux aussi te dire que cette sensibilité peut varier aussi en fonction des cycles de la nature, le cycle des saisons, le cycle de la lune et même les cycles hormonaux, ce qui rend tout ça d'une complexité infinie. Alors si on résume, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien d'abord, une dépendance de nos émotions et de nos réactions face aux événements ou aux personnes extérieures. Et ça, ça nous déstabilise. C'est quand je pense que c'est l'autre qui génère quelque chose chez moi que je perds du pouvoir. Donc là, l'idée, c'est de travailler avec, par exemple, un thérapeute pour reprendre du pouvoir sur tes réactions face aux événements et aux autres. Et en fait, ça veut dire choisir, remettre du choix dans ces réactions et ne plus les subir. On voit aussi qu'en termes de déstabilisation de notre homéostasie interne, il y a la question des attentes. Si tes attentes vis-à-vis des autres deviennent voilà, des choses imposées, alors ça devient des exigences sur lesquelles il n'y a pas le choix. Et alors là, tu es toujours déçu du comportement des autres. Et là, c'est la frustration assurée. Et il y a aussi la question de tes attentes par rapport à tes propres exigences. Si tu mets la barre toujours trop haut et de plus en plus haut, qu'est-ce qu'il arrive? Tu te fatigues et là, c'est la descente, le down assuré tout de suite après. C'est aussi super important de comprendre notre seuil de tolérance émotionnelle et sensorielle. Sensorielle, c'est aussi par rapport au bruit, je sais pas, aux odeurs, à la lumière. En fait, si tu connais ton seuil de tolérance autant dans les joies que dans les peines, si tu connais en fait ta façon de fonctionner par rapport à ta saturation émotionnelle et sensorielle, alors tu vas pouvoir mettre en place un système d'alerte et un curseur que tu vas pouvoir réguler pour revenir dans une fenêtre de tolérance acceptable pour toi. Et en fait, si tu as vécu dans un système dysfonctionnel quand tu étais petit, il se peut aussi que ton système nerveux soit complètement dérégulé au niveau émotionnel et que tu sois toujours en état de vigilance, d'hypervigilance, qui fait que ton seuil de tolérance est tout petit par rapport à la moyenne des gens. Alors, comprendre aussi le phénomène de cocotte-minute émotionnelle, c'est savoir
comprendre son système de pression interne. Ça veut dire quoi? D'abord, c'est accueillir, évidemment, ses ascenseurs émotionnels, ses ressentis, faire de la clarté et nommer ses émotions qui sont parfois un petit peu enchevêtrées dans ces montagnes russes, et aussi accueillir les émotions les plus inconfortables pour pouvoir accueillir celles des autres en face. Si je me connecte à ma colère et à ma tristesse, qu'est-ce qu'elles viennent dire ensuite de moi? Qu'est-ce qu'elles viennent dire de mes besoins? Et si j'arrive à reconnaître mes besoins, alors je pourrai mieux me protéger et mettre des limites par rapport aux autres. En tant qu'hypersensible aussi, c'est très important de faire la différence entre mon hypersensibilité, qui est un tempérament inné, et les réactions qui sont liées à mon hypersensibilité, comme par exemple l'hypersusceptibilité, qui est quelque chose que je choisis. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet, quelle est la différence entre l'hypersensibilité et l'hypersusceptibilité. Aussi important, c'est de prévenir en fait les débordements en créant des soupapes de sécurité ou des sas de décompression. C'est par exemple pouvoir s'aménager beaucoup de temps de repos émotionnel pour éviter l'effet de cumul émotionnel. C'est aussi trouver des moyens de vivre son émotion différemment ou encore de faire redescendre l'émotion instantanément. Bon, là, il y a plein de solutions. Il y a aussi la marche qui crée des endorphines qui sont des régulateurs d'humeur. Il y a aussi l'écriture libératoire. Moi aussi, je pratique l'auto-hypnose que je peux t'apprendre en cabinet. Des rondes d'EFT, Emotional Freedom Technique, qui permettent justement de faire descendre l'émotion assez directement. Et ces techniques, tout simplement, permettent d'éviter de tomber dans des addictions, drogue ou alcool, qui sont des amplificateurs de montagne russe émotionnelle au final, même si sur le coup elle procure une espèce de satisfaction temporaire. Et si tu es intéressé, mets-moi en commentaire, je pourrais te préparer peut-être une petite ronde d'EFT dans les semaines à venir. Et enfin, pour éviter cet effet cocotte minute, c'est intéressant de comprendre quels sont les déclencheurs des montagnes russes émotionnelles. Quelles sont les personnes ou les endroits où en fait tu ne peux pas être pleinement toi, où tu refoules consciemment ou inconsciemment tes émotions, tu te dis que tout va bien, et en fait à l'intérieur, profondément, c'est pas du tout le cas, ça manque de sens. Et en fait, tu mets un masque de faux self, mais lorsque le vrai self revient, c'est l'effet boomerang et là ça explose. En conclusion, si tu veux sortir des montagnes russes émotionnelles, c'est important que tu apprennes à surfer sur le tsunami, sur la vague émotionnelle, car les tempêtes, il y en aura tout le temps. L'inconstance et l'impermanence des choses, c'est la vie. Alors, il vaut mieux que tu apprennes à trouver la bonne planche de surf qui va aller avec le courant. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ce sont des compétences à apprendre. Si tu veux devenir aujourd'hui une joyeuse athlète des émotions, alors commence par faire des sprints, c'est-à-dire des entraînements réguliers pour ensuite devenir une marathonienne des émotions. Et si tu veux aujourd'hui commencer à travailler par rapport à tes débordements émotionnels, tes montagnes russes, je te recommande de faire le défi des 21 jours reconnexion à ton plein potentiel. Parmi 6 modules que je propose, il y a un super module qui va te permettre de travailler ton ancrage, mais aussi ton alignement tête, corps, cœur, quelque chose qui est super important pour moi. Et j'ai créé dans ce module 2 méditations hypnotiques, on va dire, hypno-guidées. L'une est vraiment pour retrouver ton centre en cas de débordement émotionnel, revenir en ton centre, en ta maison. Et l'autre, c'est vraiment comment créer un lieu sécuritaire à l'intérieur de toi où tu vas pouvoir revenir quand tu veux de manière instantanée. Et il y a aussi, avec ce défi, inclus un bonus confiance en soi, estime de soi, parce que j'estime que la stabilité émotionnelle, c'est aussi en travaillant son estime de soi, parce que c'est souvent là où, quand ça pêche, il y a aussi des instabilités au niveau de nos humeurs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un pouce si c'est le cas. Partage cette vidéo si tu penses que ça peut faire du bien à d'autres personnes. Abonne-toi à la chaîne pour être
voilà, notifier des prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!